jour 2, Paris sous la pluie. Est-ce que... Il fait froid. La nuit, je suis quelque peu agitée puisque hier on s'est enregistré. Son enregistrement n'est pas passé. Elle est fichée SSSS, code de sécurité avec les États-Unis. Il va falloir qu'elle passe, à mon avis, des fouilles supplémentaires et approfondies avant d'avoir sa carte d'embarquement. Elle doit répondre aussi à des questions. Petite panique. Les amis, si vous n'avez plus de nouvelles de nous, cherchez au niveau des commissariats les plus proches de Paris. Te bloque pas ce soir. Je suis traumatisée. Léa s'est encore trompée. On doit remonter. Attends, un bagage en cours de vérification. Il ne manque plus qu'un arrêt. Bon, après moult péripéties et transport, on s'est fait contrôler juste avant l'Orlival, juste avant le transport qui nous mène à l'aéroport. C'était pas en règle. On a payé 16 euros, mais on n'a pas pris les bons tickets. On voulait nous mettre 35 euros par personne. Léa a frappé sa jambe. Elle ne marche plus très très bien maintenant. Non, au final, elle nous a laissé passer et on a dû repayer un ticket. C'est bien passé. Ça, on a passé les contrôles. Ça y est, on mange. C'est parti. Bon, alors là, Charlie a mangé un muffin aux myrtilles. Elle en a plein les dents. Donc... Je déteste ça, mais j'adore. Bravo les grands remèdes. Toujours pas d'évolution. C'est trop long. Attention. Chachou dentiste, c'est fini. Là, on part pour San Francisco. J'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on dit qu'on part pour San Francisco et qu'on est toujours. Alors, les contrôles à Paris ont littéralement duré 2 heures. Ils ont même fouillé des endroits qu'on ignorait de nous. Elle a décidé de ne pas marcher. On attend l'avion à 12 heures de vol. Et je sais pas si vous le savez, mais j'ai peur de l'avion. Ça va bien se passer, on sort de sa zone de confort. Là, Léa part parce qu'elle doit se faire contrôler par les autorités. On se sépare. On n'est pas dans le même couloir et depuis tout à l'heure, elle est au téléphone, elle ne me voit pas. Je vais l'appeler. 25, c'est ce côté normalement. Nos sièges, c'est ce côté normalement. Toi, tu vas avec le pilote. Non, on se rejoint dans l'avion. Tu sers d'avion comme ça, tu te sens? Bah, j'ai pas le choix. On va avoir le siège qui va rester collé après. Qu'est-ce qu'on va manger de bon? Qu'est-ce qu'il y a de bon? De la purée d'ananas. Non, c'est des pommes de terre. Ah ouais? J'ai toujours avec son petit livre à côté. Bien passé. Ce qui t'a dit big up à Valérie dans l'avion qui était trop mignonne, trop gentille. C'est vrai qu'on était assise à côté de la bonne personne. On te souhaite un bon voyage. À pas péter. À pas péter. Bisous Valérie. Bisous Valérie. Premier pas sur le sol américain. Incroyable. On quitte l'aéroport. Encore dans les transports. Ça ne finit plus. 72 heures de transport. Bon, en fait, on est ressorti, c'était le mauvais transport. Donc là, on est dans San Francisco, les amis. On est presque arrivé à l'hôtel. Le périple. T'as eu quoi? Une mouche. Torchon. Hein. Ancienne, les gars. On va aller se courir une fois. Pour une fois. On prend juste avant nos cartes eSIM avec Olafly qui nous permettent d'avoir accès à internet en illimité. En illimité pendant 3 mois. C'est pas une pub. Donc comme ça on pourra parler à nos parents. C'est 90 euros les 3 mois. Donc en vrai ça vaut le coup. Parce que là Charline en sortant de l'aéroport en fait avait mal installé l'application.
Et on a directement eu un message de son opérateur comme quoi elle avait déjà dépensé 48 euros d'internet. En 10 minutes, genre, même en pas, sans minutes. Rien faire. Demain, on va dormir. Demain, on va dormir. Ça va plus, moi. Demain, on récupère le van. Là, on va dormir. Et demain, on récupère le van parce qu'on est fatigué. Et là, l'aventure commence. Ça va être un peu roots parce que dans le van, vous allez voir qu'il n'y a pas de douche, pas de toilette. On part à l'aventure. Here we go! Première nuit à San Francisco et ça part de là. Bon, alors il est 6h30 heure locale. On vient de se réveiller. Et Charline est dans un lit plus grand qu'elle, on la voit même pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens-moi le truc, s'il te plaît. Je galère. Attends, mais tiens-moi le pot. T'as pris tout ça, Nutella? Mais non, ça... Tiens-le, ça coupe pas. Tiens-le. Attends, bouge pas. Tiens-le. C'est dur, là. Alors, comment ça se passe? Je viens de profiter de ma dernière douche. L'hôtel, là on va voir Lombard Street, mais avant tout on va vous raconter la petite histoire d'hier soir. On n'a pas trop eu le temps hier de vous raconter parce qu'il s'est passé moult péripéties. Les passages aux frontières, ça a été un peu compliqué. J'ai fouillé, on a été questionné de fond en comble. J'ai été fouillé pour le dépistage d'explosifs. Ma valise a été ouverte. Et donc en arrivant du coup sur le sol américain, on a eu une série de questions, ça a été un peu long. Après on avait encore 1h30 de transport en commun pour aller jusqu'à l'hôtel. Et il était déjà 21h30, il faisait déjà nuit, on connaît pas du tout San Francisco. Alors, on n'avait plus internet, on devait se diriger, c'était compliqué, on a été voir un monsieur pour se rassurer. Dans le métro, il avait l'air trop gentil, etc. C'était un vieux monsieur. On s'est dit, ok, lui, c'est sûr, il connaît, etc. Au final, il était hyper stressant. Il prenait un taxi, c'est hyper dangereux, ne sortez pas. Surtout à l'heure là. Donc, crise de panique, en fait, ça a eu l'effet inverse. Et du coup, en sortant du tram, on est tombé sur... Du métro, deux Français hyper gentils de Montpellier. Ils allaient au même endroit que nous. Ils incroyable. Font quasiment le même road trip. Bonne étoile. Le mec, il avait un forfait international 3G. Et leur comment hôtel... vous dire qu'on l'a pas lâché? Leur hôtel était à 100 mètres de nous, on lui a sauté dessus. Grâce à eux, on a réussi à arriver à l'hôtel. Du coup, nickel. Les rues en pente de San Francisco. Non, je crois qu'on peut c'est pas vert. Allez, c'est... Non, c'est pas vert. Aux États-Unis, quand c'est rouge, c'est le vert. Non, c'est bon, là, on peut. Allez, c'est parti. Fais quand même attention. Parce que je rappelle que la plupart des accidents, c'est quand les feux sont verts. C'est parti. Là, plus besoin de faire du sport. La rue à 90 degrés. On voit le pont d'ici, ça y est. Incroyable. Le Golden Gate. Ouais, c'est vert ou pas? Le Golden Gate. On se met dans l'ambiance Halloween. Donc là, on voit Alcatraz au loin. Ça y est, c'est là, on arrive à Lombard Street. Ça fait des années que j'ai envie de la voir. Waouh, rien. Alors, il fait super chaud à San Francisco. C'est vrai, plus qu'à Paris, ça je ouais. Vous dis. On est arrivé, c'est pire que le Marseille-Castille, les amis. On a du mal à voir, mais elle est encore plus belle avec le drone. On se croirait dans GTA, les rues sont immenses. Oh mon dieu. C'est parti. Alcatraz, vue de la baie. Mesdames et messieurs, à ma droite, vous avez un preview de Charline quand elle aura 60 ans, qui aura un petit rayon de soleil. Faut pas perdre le bronzage. Et n'oubliez pas, faites vos étirements quotidiens. Waouh, il s'arrête pas là, il s'est pas endormi. On va récupérer le van. Là, il est 11h30, on a toujours pas récupéré le van parce que nos cartes ont été refusées. On va prendre le van si tout se passe bien. C'est parti à l'aventure. Ça sonne? Ça marche hein? Et on a la course. On va bien voir. T'es prête à conduire? Oui.
Bon, on a récupéré le van, comment tu te sens? Oh my god, on va le conduire. C'est un... C'est une manuelle. C'est une auto. C'est une automatique. Première fois qu'on conduit une auto, je suis assez grande là. Faut que je me rehausse, non? Thank you so much. Yeah. Thank you. Attends, je me suis pas attachée. Hyper doucement. Hein. Ah. Attends. Arrête-toi. Je suis trop petite. Ah ben attends, on arrête, stop. Mais ça me rehausse. Ah merde. J'allonge. Il revient pas. Mais je sais pas si c'est dans le bon sens, ouais. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est parti! Oh my god, doucement! Arrête! Tu m'as la liberté! C'est bizarre, c'est gros! Tu voudras le conduire? Non. Je sais pas à combien c'est limité. Tu sais, toi? Je sais à rien. Pour redémarrer. Pardon. Pourquoi tu commences à toucher ça? Non, laisse. Ouais, non, mais tu vas pas commencer. Ouais, c'est vrai, vu que je conduis, on va laisser. C'est vrai. Tiens, c'est parti.